ça y est, c'est le moment de changer le pneu arrière. Donc, comme d'hab, là, c'était un Mitas E07. J'ai fait un peu moins de kilomètres que le précédent. J'ai à peu près 10 000 km. Il est quasiment mort. Il est bien plat. Et j'ai un peu plus roulé sur la deuxième partie du voyage. Donc, je l'ai un peu plus défoncé. Mais il a bien fait le job. En tout cas, il est temps de le changer. Comme d'hab, je vais utiliser mes 3D mon pneu. Petite clé de 12 pour retirer la valve et mon démonte obus. Si besoin, j'ai la WD-40 et c'est parti pour démonter le Mitas. Alors pour faire appui, hop, je prends un vieux pneu et c'est parti. Ça y est, c'est décollé. Très facile à faire comme ça, pas besoin de forcer. Juste un petit peu patient. Mets le démon de pneu. On fait levier entre le talon de la jante et le flanc du pneu. Et petit à petit. Le pneu se décolle sans avoir besoin de forcer. Maintenant, la partie chiante, on va démonter, sortir le pneu. Où est la valve? Là, on va faire à l'inverse de la valve. Et on va se mettre de ce côté-là. Pas se faire mal. Allez mon petit, on y va. Toujours aussi dur ces petits Mitas, mais on va l'avoir. Allez, ah, putain. Voilà. Allez.
Voilà. Petit à petit. Chambre à air, où es-tu? Ici. Là. Bon, on la testera tout à l'heure. Et maintenant, la partie plus chiante, c'est celle-là. On va mettre à proximité. Hop. Hop. Voilà. Là. Allez. Ah merde. Almost. Allez, reviens là. Là, le pneu est sorti facilement, donc ça, voilà. Comme d'hab, finalement, c'est juste de la technique, il faut pas trop forcer, mettre le poids où il faut. J'ai testé la chambre à air, c'est tout bon, de toute façon elle n'était pas crevée, mais bon. C'est jamais au démontage. Ça, hop. Ouh, il y a un petit vent frais. Hop. Un nouveau pneu. Alors, Metzeler Carou 3. Hop, la WD. La WD-40. Ça sert à tout, ce truc. Voilà. Sens de rotation de la moto. La moto, ça va comme ça. Le sens de rotation, c'est comme ça, donc ça va être comme ça. Comme ça. Tac. Où la flèche? Là. Là. Comme ça. Allez, comme ça. Comme ça. Bam!
Bon, là j'ai un peu trop d'épaisseur. Chambre à air. Où es-tu? Donc, hop. Toujours un peu galère de refoutre la balle. La chambre à air. Hop. Se mettre comme ça. Hop. Déjà barré, mais...
Et voilà. Super gonfleur manuel, on va voir ce que ça donne. La petite pompe. Ça c'est bon ça. Bon, la pompe est définitivement validée. Je mettrai dans les liens, dans la description, les liens vers cette pompe, c'est vraiment bien. Et en tout cas, j'en ai fini avec la roue.